Et salut les gens. Salut les abonnés, ici Fan de Chapeau, une toute nouvelle vidéo. Tu veux voir ce qu'il y a dans la vidéo? Oui, vas-y, non, je vais pas le faire. Enfin, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, on se retrouve après l'intro du matou. Et la quatrième qui est là, bon, celle-là vous l'avez déjà vue. Donc ce qui fait que ici c'est fini, tout le coin est fini. Il restera vraiment à mettre la végétation. Déjà je vais vous faire visiter ma fameuse mine à ciel ouvert. Parce que vous ne l'aviez pas vu, enfin vous aviez vu les débuts des travaux. Donc on est chez Yvonne, sa femme Raymond et leur fille Maëlys. Donc voilà leur petit rétrocé. Donc oui, leur fille forcément c'est un idiot hein. Là Yvonne, bah, il est maître hein. Maître Jedi, hein, bonjour. Donc, il y a... Ah! La grand-maman, t'as plutôt cul. Il y a la chambre de... Mais oh, la maman, là, laisse-moi me faire visiter. Donc, t'as la chambre des parents et la chambre de l'enfant, c'est-à-dire que les parents, ils peuvent... On peut faire l'amour, s'il te plaît. Et ils applaudissent pour... je sais pas de dessin. Voilà. Hop, poussez-vous là, ici on se pousse, ici, il y a plusieurs sorties, vous allez voir, ici, il y a un petit jardin, hop, ensuite, ici, c'est la sortie, voilà, regardez, ici, c'est la sortie par la mine, parce que, regardez, chef mineur Yvonne, chef mineuse Raymond, parce que ce sont les proprios de la mine, donc ici, j'ai pu rajouter un peu ma déco, regardez, ici, il y a beaucoup de minerais, et surtout du minerai qui est mis, j'ai mis ici, mon bâtiment de stockage qui est fini, vous allez voir. Oh, donc le rez-de-chaussée, bah, un peu comme mon premier bâtiment que j'avais fait. Mais à l'étage, il change en fait complètement. Regardez, ici, il y a quelques petites fenêtres, mais tout le reste, c'est du stockage. Et des grues ici pour amener les matériaux à différentes zones. Et là, ici, le stockage est vide. Ils ont un peu déménagé, voilà. Enfin bref, ici, ça fait un peu vide, mais... Voilà. Et il faut bien aussi que des fois ça fasse un peu vite. Donc ensuite, quand on descend, vous allez voir, j'ai retravaillé bah, la grue déjà ici. J'ai mis mon système de roue de hamster. Hein, je sais pas si vous voyez, enfin. Bref, attendez, je vais quand même manger au cas où je me casse la gamelle, moi, parce que me connaissant. Hein. Attendez, ici, là, regardez, vous avez ça qui est là. Et... Merde. Bon. Bon, voilà, en bas, il y a la grue qui permet de monter, bah, de 1, de faire descendre les mineurs, et aussi de monter les minerais qui trouvent à différents étages, à différentes zones, à différents trucs. Évidemment, bah, je peux pas prendre parce que moi, il va pas monter, vu qu'il reste comme ça, voilà. Bon, en tout cas, ça fait mal. Heureusement que j'ai sur mon armure, hein, la chute amortie, hein. Sans quoi, ça aurait fait game over in the game. Bon. Maintenant, ce qui vous intéressera aussi, c'est de voir les petites maisons qu'il y a autour. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire ici? Parce que cette zone est vouée à changer encore un peu d'aspect. Vous allez voir, c'est surtout au niveau de l'aspect général extérieur que ça va changer. Parce qu'il y a trois petites maisonnettes, enfin quatre, s'il y en a une qui est derrière, oui. Enfin, regardez, une, deux, trois, et quatrième qui est là. Voilà, j'ai même oublié de vous la montrer, celle-là, elle est vraiment derrière. Et vous allez voir, en plus, comme je l'avais dit, je ne sais plus si je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais en fait, je faisais un lac ici. Enfin, c'était une crevasse, et bah ici, il y a de l'eau. Voilà. Donc comme ça, on a l'eau ici pour qui fait un petit lac. On a cette maison à double étage, c'est-à-dire que on a d'un côté le rez-de-chaussée ici, avec Eugène et sa femme Edison. Salut là. Et donc après, évidemment, les maisons, c'est toutes les mêmes, hein, je vous montre vraiment que l'extérieur... Après, hein, moi j'aime bien décorer les maisons, mais c'est toujours à peu près les mêmes. Ça évitera que vous voyez 10 fois les mêmes maisons. L'étage qui est là, donc qui couvre le premier second. Celle-là, je vais vous montrer ce que, une petite particularité. Bon, bordel, qu'est-ce qu'il fout là? Je vais m'en occuper. Attends. On va peut-être regagner sa vie parce que lui, ils envoient quand même des tatanes, ces couillons. Nanana, tu ne m'auras pas, t'as un trop gros cul. Wesh, ouais, t'as un trop gros bon cul. Voilà. En plus, ça avait fini sur le teint.
Donc là, ici, hop, on monte à l'étage et en fait, c'est un plafond assez bas. Donc en fait, il y a un étage et là-haut, il n'y a rien parce qu'il n'y a même pas de quoi faire un grenier. Je vous laisse en famille. Je ne sais pas ce que vous faites tous les quatre dans la même pièce. Je ne veux pas savoir. Donc voilà, et ici, donc là où il y a de l'herbe, il y aura tous mes arbres. Donc comme je vous le rappelle, hein, ici je mets des chaînes et du boulot. Enfin, du boulot, voilà. Enfin bref, vous verrez bien. Et ici, je mettrai mes fameuses lumières en tapis. Qu'est-ce que j'entends en tapis? Attendez, je vais juste vous montrer. Hop. On va mettre ça là. Je vais prendre vite fait. Voilà, parfait. Il n'en fallait pas grand-chose, mais c'est pour vous montrer. En fait, comment je vais faire après pour éclairer toute la zone? En fait, c'est que par précaution, je vais faire ceci. Hop. Zou. Mais vu qu'après, il y aura de toute façon de la forêt et de la végétation, ça passera inaperçu, puis ça va éclairer. Et donc, c'est que comme ça, ici, en fait, regardez, hop, je reprends la map comme ça, vous allez comprendre. En fait, je vais englober une partie, c'est-à-dire que tout là, ce sera éclairé. Donc, tout là, quand je dis éclairé, c'est la forêt qui sera éclairée au niveau du sol. Tout ici, éclairé. Et là, je vais faire un petit arc de cercle, éclairé, 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 éclairé. Et là, pareil, éclairé ici, tac, tac, un tout petit peu ici, c'est juste, si jamais on se balade, que ça spawn pas là. Éclairé, 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 et clac, pour le moment, là, il n'y aura rien. Ensuite, ici, je vais vraiment mettre une grosse densité de forêt, mais assez, bon, et pas non plus aller jusqu'à Pétaouchnek, hein, jusqu'à Tatawin-les-Bains, mais je vais en mettre une petite partie quand même. Hein. C'est important aussi de mettre de la végétation, parce que là, ici, de base, c'est pas une ville, c'est une... C'est la cambrousse, hein, c'est hors des villes et hors des secteurs. Donc, voilà. Hop, ici, on peut voir donc, comme ça cette maison. Pareil, qui est à étage, donc nous avons le coin rez-de-chaussée. Et l'étage, ici, avec bah, le premier, et... Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étage, en fait. Ici, en fait, poussez-vous, les deux, là. Donc, en fait, ici, c'est juste, ici, pareil, un studio. Enfin, un studio, une petite maisonnette. Au premier étage, on se dégage, merci. Là. Donc, cette maison, c'est une maison entière. C'est-à-dire que pour un seul... je crois qu'ils sont trois, si je ne me trompe pas, mais je sais plus les noms. Je mets tellement de noms en même temps, mais je sais qu'ils sont trois, voilà. Et... Ah non! Ah, mais non! Je me suis trompé, vous voyez. Ils sont deux ici, mais ils ont un, voilà. Je vois aussi. Et là, il y a un petit grenier. Je fais tellement de maisons par moment que je ne sais plus laquelle est à 3 et laquelle. Parce qu'ici, il y a beaucoup de maisons. Hop. Il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de... Merci. Non mais t'en fais exprès. Si t'en fais exprès. Hop. T'es bon? C'est bon? C'est bon? Merci. Possible ça? Et là voilà, c'est cette maison où ils sont à 3 aller ici. Parce que cette maison, pareil, c'est. Il y a le rez-de-chaussée, le premier, et il n'y a pas de comble. Donc en fait, c'est le rez-de-chaussée et le premier étage. Ici. Donc le rez-de-chaussée. Et le premier étage qui est ici. Et donc pareil avec le coin chambre et le coin enfant qui est un peu séparé. Comme ça, les parents ils peuvent applaudir. Enfin. Et là, après, une petite déco avec mes têtes de McBurdy, mec, j'aime bien. Ça fait une petite déco sympa au niveau des tables. Donc, bah voilà. Et dans le prochain épisode, en fait, vous verrez quand je reviendrai, tout ici sera boisé et éclairion. Éclairé, éclairion, enfin, éclairo, éclairius, voilà. Enfin, bref, vous verrez dans le prochain épisode. Et puis moi, je vous dis...